Le fils lui échappe. Georges va reprendre un coin. Georges derrière à Koivu. Et ensuite à Kovalev. Il s'était déplacé. Il y a le retour. Et la passe de Kovalev a été touchée par Vaxen. Ça fait le but. Sur le tir. Quelle frappe. Un Kovalev. Oui, je me demande. J'ai hâte de voir si la rondelle n'a pas dévié sur le bâton de Shara. Et tout à l'honneur du Canadien qui a continué à travailler. Tout à l'honneur de Guéry qui a utilisé quatre trios différents. Et quel tir, encore une fois, de Kovalev. Je ne sais pas si la rondelle a de chaud bâton, mais si elle n'a pas de chaud bâton de manière d'une autre, c'est un tir de qualité qui va battre Thomas. Alors, la deuxième fois, Kovalev va Thomas de cette façon dans les deux derniers matchs. C'est 2-2. Et avantage canadien en deuxième période. Je pense que le Canadien a bien joué ici sur la route. Le travail de Thomas qui est battu dans l'autre filet. C'est un tir parfait. Un tir parfait. Et